Et bonjour la famille, soyez le bienvenu sur ma chaîne. Moi c'est Evie Mawaité, très heureux de vous rencontrer encore une fois dans cette nouvelle vidéo. Comment réussir son coup en Russie, bien évidemment. Appréciez avec moi les décors juste derrière. C'est déjà l'esprit de Noël. Nous sommes au mois de décembre, sans plus tarder, on passe au sujet. Bang, bang, bang! Réussir son coup en Russie. Je pars souvent du principe que dans la vie, tout le monde a sa part des responsabilités, tout le monde a son avenir, tout le monde a sa vie. Nous ne sommes pas nés le même jour, nous avons des histoires qui sont bien différentes, c'est pareil qu'en Russie. Certes, très souvent, on se rencontre dans un pays, bien sûr, pour une raison comme pour une autre. Ça pourrait être les études, ça pourrait être le commerce, ça pourrait être en fait, le business, ça pourrait être simplement pour résider dans le pays qui vous accueille. Dans ces cadres-là, je voulais faire cette vidéo. Certes, je ne suis pas mieux placé comme certains pourraient bien le dire, mais c'est toujours en voie d'évolution, c'est toujours en voie d'essai. C'est dans cette optique que je me suis dit, tiens, je vais vous faire cette vidéo tranquillement pour vous partager quelques expériences que moi j'ai et ce que j'ai déjà vécu. L'ensemble de ces choses fera en sorte que cette vidéo soit une force et un réconfort pour beaucoup. Peu importe ce qui vous emmène en Russie, vous devriez certainement passer par ces quelques étapes que je vais énumérer tout au long de cette vidéo pour que vous ayez une vie tranquille, je dirais, et bien épanouie. Je vous écoute déjà d'ici murmurer. Mais, pour qui se prend-il? Hey! Prenez place, soyez tranquille, on poursuit. Parlons de la première étape c'est l'intégration. Et vous n'êtes pas d'accord, l'espace commentaire est fait uniquement pour vous. Déchaînez vos déçus, on va échanger. Amiable. La première étape, les amis, pour réussir son coup en Russie passe par l'intégration. Vous êtes sans ignorer que dans tout le pays du monde, pour évoluer, il va falloir s'intégrer. Il ne suffit pas de vous habiller pareil que le russe pour pouvoir s'intégrer. Il ne vous suffit pas de parler comme eux pour s'intégrer. Il ne vous suffit pas d'agir comme eux pour vous intégrer. Ah non, loin de là. L'Africain en général ne veut pas apprendre, mais il veut réussir. La première des choses, en parlant de la première étape, bien sûr, c'est la langue. Je vais vous rabâcher avec ça, mais la langue est encore la langue. Et oui, les amis, apprenez la langue russe, c'est très très important. En Russie, si tu veux évoluer, si tu veux mieux réussir ton coup, il faudra apprendre la langue. Que ce soit dans le cadre d'études, business, football et que sais-je encore, apprenez au moins la langue. Ça vous ouvrira pas mal de portes et ça vous permettra d'évoluer en un temps record également et ainsi que à vous intégrer aussi rapidement et facilement. Comment apprendre la langue? Généralement, cela ne doit pas passer simplement par l'école pour pouvoir apprendre la langue. Et non, vous n'êtes pas obligé d'apprendre automatiquement la langue à l'école, bien sûr. En étant en compagnie de gens, en sortant un tout petit peu, en discutant régulièrement. Et puis voilà, vous allez mieux apprendre la langue. Soyez curieux, simplement. Posez des très bonnes questions pour pouvoir évoluer. Trouve-toi une copine. Ça fait un peu pervers, mais c'est l'une des façons beaucoup plus rapides d'apprendre la langue. Être avec une personne avec qui discuter quotidiennement, cette personne t'apportera ce dont tu as réellement besoin, c'est-à-dire cet apprentissage de la langue accéléré, bien évidemment, en contrepartie. Tu seras sympa. Savoir s'entourer pour ne pas passer le temps à rigoler, bien sûr, mais pour apprendre. Ne jamais perdre son objectif des yeux. Ah oui. La deuxième étape. La Russie est un pays de grand froid réputé dans le monde entier. Ceci dit, pensez toujours à vous protéger. Protégez-vous du mieux que vous le pouvez. Accrochez-vous, je vous conte une histoire. Lorsque je suis arrivé en Russie, je rencontrais beaucoup d'étudiants à l'aéroport venus pour une seule raison, les études bien évidemment. Certes, ce fut pour la bonne cause, chacun de nous avait sa destination, c'est-à-dire sa ville, la ville dans laquelle on devrait étudier normal. Après 2 mois, c'était un tout petit peu bizarre parce que le froid qu'il faisait, je vous jure, non, non, non. Même dans un congélateur, je pense en tout cas, le poisson, poulet et tout,
ne sente pas cette fraîcheur-là, ce froid-là. Ça s'est dit. Bref, il faisait très, très, très froid. Malheureusement, en voulant ressembler à Fally Ipupa, en voulant ressembler à Norma de Paris, l'animal a souffert, ligoté, bâillonné, les yeux bondés pour éviter le stress, décapité vif. Même mort, l'animal reste agressif. La seule question que je me suis posée, pourquoi le blanc s'en fout des frères africains? Tu te trouves comique? Et à la fin, tu t'es pas bien protégé. Conséquence, on retrouve de l'eau dans tes poumons. Alors pourquoi d'avoir essayé de jouer au SWAT boy? Conséquence, tous ces gens-là sont retournés au pays. Bref, protégez-vous comme il se doit. Ne faites pas comme certaines personnes qui se promènent avec habits légers, chaussures légères en mode été. Non! C'est l'hiver, c'est le froid, ça peut détériorer tes organes. Alors protège-toi au maximum. C'est aussi une façon de s'intégrer. Troisième étape, ouais. La troisième étape, c'est la curiosité. C'est tout bête, mais c'est aussi simple que ça. Oui, tu boudes. Boude en commentaire. Je définirai la curiosité en Russie comme le fait de sortir, de découvrir certains endroits, de nouveaux endroits également, de nouvelles personnes, faire de rencontres qui peuvent vous aider à la langue. Et oui, on s'intègre en étant également curieux. La curiosité fait énormément partie de l'intégration. Du moment où tu n'es pas curieux, tu es enfermé, tu passes toute ta semaine dans ta petite chambre, rien ne viendra à toi. Tu dois aller à la rencontre. Oui, aller en rencontre de nouvelles expériences, de nouvelles choses qui peuvent changer également ta vie et t'aider à t'intégrer. C'est de cette façon-là que tu vas t'intégrer et évoluer dans le temps, ainsi que réussir ton coup, bien évidemment. La quatrième étape, les amis, est de prendre des risques. Prendre des risques, oui, mais comment? Oui, prendre des risques, cela ne signifie pas danger. Prendre des risques, cela veut dire tenter de nouvelles choses, de nouvelles expériences pour pouvoir évoluer et mieux s'intégrer, ainsi que réussir son coup en Russie. Il y a une chose dans tenter nouvelles choses et nouvelles expériences. Certains Africains étrangers, pour ainsi dire, ont peur de tenter certaines choses, certaines expériences, par peur de ne pas mieux s'exprimer en langue russe. Oui. Cela devait être une force, mais c'est une faiblesse. Et oui, pour tenter nouvelles choses, nouvelles expériences, il faut passer par la langue. Et oui, connaître la langue russe peut t'aider à t'en sortir aussi facilement, rapidement et à réussir ton coup, bien sûr. En ayant cette niaque, cette envie de progresser, d'aller de l'avant, il vous faut cette connaissance de langue pour aller de l'avant, pour ne pas procrastiner d'année en année. Et si on passait à la dernière étape? Oui, la dernière étape, c'est l'étape 5, les amis. La dernière étape va peut-être vous surprendre. C'est soi-même. Vous, toi qui me regardes, toi, vas-y, accouche. La dernière étape englobe toutes celles précédentes. C'est vous. Donc toi, oui, toi. Et oui, on ne doit jamais oublier que tout vient de par la volonté, de par le besoin, de par le désir de l'homme. Bien évidemment, l'homme que vous êtes sera en mesure de faire de choix, de s'investir à fond, soit de lâcher aussitôt. Ça ne dépendra que de vous pour avancer ou pour procrastiner, pour rester en un seul et même endroit et attendre la manne du ciel. Chose qui ne sera pas faite, excusez-moi de vous décevoir, ah oui, ça ne dépend que de vous. Vous, alors vous, mettez-vous au travail, trouvez le voisin moyen pour évoluer, pour s'intégrer, pour réussir son coup. Ayez cette volonté, ayez cette niaque de percer, d'aller de l'avant, de ne pas procrastiner, de réussir votre coup, de mieux s'intégrer en Russie. Quand bien même le pays est dur comme du fer, mais il y a certains qui réussissent leur coup ici. Soyez le prochain, bien sûr. La liste, elle est bien longue. Souhaitez toujours le meilleur qu'il y a pour vous. Parce que, dit-on, on ne mieux jamais servi que par soi-même. Je pense que c'est ça.
Oui. Apprenez la langue. Protégez-vous. Prenez des risques. Soyez curieux. Investissez dans vous-même. Ayez la foi. Ayez la volonté d'aller de l'avant, de mieux s'intégrer pour réussir sans coup. Quand bien même, c'est très très difficile au début, mais au fur et à mesure, à force de taper sur la pierre, elle finit toujours par éclater. Bref, voilà la famille. Surtout n'oubliez pas, seule l'originalité compte. Ceci dit, ne soyez pas une copie conforme d'une personne modèle. Peut-être que vous suivez, soyez vous-même. Voilà. Et family, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à me lâcher plein de pouces bleus. Abonne-toi, toi qui me découvre aujourd'hui, pour me donner l'assez fort. Ah ouais. Et active la cloche pour ne rien rater de prochaines vidéos. Moi, c'est Vimaoïté et je vous dis ciao, ciao, ciao.